Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round. Comme d'habitude, nous allons faire le tour de l'actualité avec un invité d'honneur. Et aujourd'hui, eh bien, c'est Michael Aljarouj qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Michael. Bonsoir Lucie. Et notre voix du MMA, notre chroniqueur préféré, en tout cas le mien parce qu'il a toujours le sourire, Sébastien Love, comment ça va? Ça va très bien, bonsoir Lucie, bonsoir Michael. Salut. Alors, on va forcément parler de ton retour sur la scène parisienne, Michael, qui est très attendu. Mais avant cela, ouais, eh bien, on va faire le tour de l'actualité avec le AEF Championship. C'est tout de suite. Le AEF Championship qui a distribué pas mal de ceintures ce week-end, Seb. Et oui, donc c'est une nouvelle organisation qui a vu le jour à Rennes, hein, avec son organisateur Willy Sirop, qui est un ancien champion du monde de Jiu-Jitsu. Alors, il a mis les petits plats dans les grands. La pesée a eu lieu au Roazhon Park, c'est le stade du stade Rennais, club de foot. Donc, ils ont fait ça vraiment de façon très à mettre les combattants dans la lumière. Et donc, trois ceintures, deux en grappling, une en MMA. Et il y a une ceinture de grappling qui a été remportée par Souk Kampasat, un ancien, enfin toujours combattant, mais qui a fait beaucoup de combats en MMA. Et c'est lui qui a remporté cette ceinture et il veut déjà la réunifier. Donc ça va assez vite pour cette organisation AEF à Rennes qui remet le couvert le 21 janvier, toujours à Rennes. Et j'aurai la chance d'ailleurs d'être le speaker. Eh bien parfait, on aura des super images. De l'autre côté de l'Atlantique, Jade Joran, qui elle aussi s'est illustrée en battant Giulia Cinello, victoire à la décision. Alors, le combat est global, c'est une superbe plateforme, Sébastien. Déjà, parce que ça paye bien, il faut le dire, pour les combattants. Il y a une diffusion qui est assez dense, c'est-à-dire ouais, qu'ils sont diffusés au niveau mondial. Et puis surtout, le PDG de cette organisation, c'est Campbell McLaren, donc le fondateur historique de l'UFC. Donc clairement, il y a un savoir-faire qu'il a su recycler à travers le combat global. Au départ, c'était une organisation qui avait pour but de lancer des talents hispaniques. Et puis finalement, maintenant, eh bien, ils ont réussi à se globaliser et ça devient vraiment une plaque tournante du MMA mondial. Son acolyte, donc, à Jade Joran, Azael Adjouj, qui a lui aussi fait ses débuts au SBG de John Kavanagh en Irlande. Il a brillé ce week-end. Il a brillé donc au Bellator Dublin, effectivement. Il remporte son combat par KO dans la première reprise. Et tel un striker de renom, bim, un high kick, tout de suite, on fait dormir son adversaire, magnifique. Donc c'est sa deuxième victoire au Bellator, on dit jamais 203. Et l'équipe de France amateur qui s'est envolée pour le championnat d'Europe, Sébastien? Championnat d'Europe en Italie, et oui, donc il y a une belle délégation française qui est partie là-bas. Donc rapidement, la Nellariano et Sui Lareschi qui étaient les champions de France. Mathilde Aschenbrenner du NR Fight, Delphine Benoawish du Fight Industry. Il y a également Miguel Colom de la Snake Team, Mazri Amar du Chaos Squad, Dylan Nagy NR Fight, Martin Nicour, fils de Mathieu, de Free Fight Academy, et Arnaud Prigent. Donc, à l'heure où je vous parle, Souil est en finale. Voilà. Et puis, c'est que de bons résultats. Ils font très, très forte impression en Italie. Donc, d'où l'importance, avec ces championnats amateurs, de se lancer d'abord dans une grosse carrière amateur pour ensuite arriver chez des professionnels. C'est vraiment très, très bien ce que fait Lima. Ouais, faire des erreurs, ça permet d'être aguerri quand on passe en professionnel. En tout cas, les finales, elles sont à suivre sur IMAF TV, que vous pouvez suivre, bien sûr, en direct. Alors, c'est payant, mais il y a un code promo. Voilà, la minute influenceur, moins 25% avec le code FRA25, F-R-A-25, voilà. Non mais on crache pas sur les codes promo, quand on a envie de soutenir la communauté, puis c'est aussi une manière de montrer à l'IMAF que la France est un bon public de supporters. Exactement. Et ça c'est important. La compétition amateur, eh bien le MMAGP en a fait son credo également. Un événement en grande pompe, donc pour les amateurs, ce sera le 9 octobre, au lendemain de la soirée professionnelle. Les combattants amateurs, effectivement, c'est pas mal quand même de se produire dans l'enceinte de du prestigieux cirque d'hiver. Enfin, je sais pas, ça doit faire rêver quand on est amateur. Ah oui, 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 oui. Ouais. Je vois les combattants au club, comment ils sont. Hein. Ah c'est vrai, ils sont contents. Ouais, ils sont contents. On leur donne l'occasion de briller dans une grande salle parisienne qui, effectivement, la veille, aura vu le MMA Grand Prix avec Jérôme Le Banner, avec Michael qui va combattre. Donc, pour les amateurs, c'est génial. Et il y aura du public. Il y aura du public. Ouais, c'est ça qui est de combattre devant 1600 personnes. C'est génial. Ouais, et puis d'autant plus qu'en amateur, souvent, les combattants sont dans des gymnases avec exactement, le panier de basket. Enfin, c'est pas très glamour. Là, quand même, bon, on a du spectacle. Ce sera donc le 9 octobre, au lendemain du MMAGP professionnel. Et justement, donc, du côté des professionnels, il y aura donc le fer de lance, Jérôme Le Banner. Il y aura aussi Michael Aljarouj et Title Shy, qu'on a présenté la semaine dernière. Michael Aljarouj, qui est notre invité Spotlight. <t'->
Michael, tu as une histoire singulière et même inspirante. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, je vais te laisser nous raconter un peu ton histoire. Aujourd'hui, tu as le statut réfugié politique en France. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient? Tu peux nous raconter ton histoire? Je suis d'origine syrienne. Je suis arrivé en France en 2013, dû à la guerre. On sait très bien comment c'était la Syrie là-bas. Et c'est surtout mes parents, toute la famille, ils ont décidé de quitter le pays parce que, à cause de mon kidnappage. Quand ils ont essayé de me kidnapper. Tu as été kidnappé? J'allais me faire kidnapper, oui. Mais comment ça? Je sortais de scout, je voulais partir à mon entraînement de Sanda. Et là, il y a des gens qui ont essayé de me kidnapper. Une personne dans le dos qui essayait de me mettre dans une petite camionnette. Je ne sais plus c'était quoi. Et du coup, j'ai résisté. Il a sorti un couteau, je l'ai frappé, j'ai pris le couteau, je l'ai mis dans sa jambe et là, l'Usain Bolt de moi. Ah oui, carrément. Le truc fréquent, quoi. Non, carrément. En fait, mais la cache, c'est une partie de plaisir. Voilà. En fait. Et du coup, là, l'Usain Bolt qui a commencé à doubler les voitures et tout pour y aller chez mon oncle et voilà. Il y avait une raison. C'est quoi la raison? Je sais pas. Je sais pas. C'était durant la guerre. Je sais même pas c'est quelle partie. J'ai aucune idée. Je sais que j'allais me faire kidnapper. Alors attends, qu'on recontextualise. À ce moment-là, il y a deux parties. Un au pouvoir, c'est j'imagine, ça. Et puis le contre-pouvoir. Le contre-pouvoir. Et vous, votre famille, vous étiez engagé dans un des régimes? Ni l'un ni l'autre. D'accord. On était neutre. C'était peut-être pour vous forcer à vous engager, peut-être? Peut-être oui, peut-être non. Franchement, ou peut-être c'était même les voleurs, parce qu'il y avait plein de voleurs qui ont profité de cette situation pour Demander des rançons après un kidnappage. Ouais, même mon oncle, il était kidnappé et ils ont demandé de l'argent pour. Incroyable. Ah oui. C'est incroyable. Ouais. Et ça a vraiment été au moment de la guerre. Avant la guerre, pas comme ça. Non, du tout. C'était même à la limite pacifique. C'était sympa de vivre aussi. Non, c'était sympa, oui. C'était bien. Eh bien, donc, l'ambiance se dégrade considérablement, tu te fais kidnapper, alors là, première bagarre, c'est improbable quand même de vivre ce genre d'épisode dans une vie. Derrière, vous décidez de partir en France pour vous réfugier, c'est ça? Exactement ça. Et comme il y avait déjà ma tante qui est mariée ici, qui a des enfants, donc ma mère, elle a dit, vas-y, je vais vous envoyer chez ma sœur. Donc, on a fait le demande de visa que pour moi et mon petit frère. Et ils nous ont donné le visa assez rapidement. Mmh. Et on est venu en France avec une veste, jean et t-shirt et les chaussures. Voilà. Vous avez été hébergé chez donc ta tante? Ma tante pendant un an et demi. Et après, il y a mes parents qui sont venus en France. D'accord. Wow. Et alors, tu as dû voir, j'imagine, des choses assez horribles là-bas. Oui. Beaucoup, ouais. Du genre? Beaucoup trop. Du genre, pour rentrer au collège, fallait faire des zigzags parce qu'il y avait un sniper qui tirait sur les gens. Ouais. C'est incroyable. Ah, on est loin de tout ça. On peut pas se rendre compte. On ne peut même pas l'imaginer. Ouais. Ouais. On est champion du monde. J'espère que vous n'allez jamais le vivre. Hein. Non, on espère aussi. Je souhaiterais à personne. Ça fait relativiser. Tu te fais rayer ta bagnole. J'ai l'impression que tu as le monde qui te tombe sur la tête. Tu entends une histoire comme ça. Tu fais, j'allais au collège, j'avais des snipers. Du coup, j'ai travaillé mes esquives. Esquive rotative. C'est là où. J'ai vu que c'était pour ça que t'esquives bien, Michael. C'est pour ça que t'esquives bien. Du coup, tes instincts de survie, j'imagine qu'ils sont très développés chez toi, en fait. Je pense que oui, on va dire oui. Après tout ce que j'ai vécu. Après, il y a des gens qui ont vécu plus que moi, mais. Il y a toujours plus. Il y a toujours mieux. Oui, exact. Oui, ça, c'est sûr. Mais en tout cas, tu t'en sors bien, finalement. Oui. Maintenant, tu es en France. Est-ce que les sports de combat, ça t'a aidé à traverser un peu cette période? Parce que tu étais déjà combattant à ce moment-là. Combattant, je ne peux pas te dire, mais oui, je faisais des combats de sanda. J'ai commencé le sport de combat quand j'avais 2 ans et demi. Donc, j'ai fait Kung Fu, j'ai fait sanda. Je pense que ça m'a aidé. J'avais confiance en moi. Tout ça, fallait le sortir, le jour J, comme on dit. Et j'ai bien fait, et boum, là, je suis là. Un survivor, Michael. Mais ça se voit dans ta façon de combattre. Moi, je te connais depuis très longtemps. Oui. J'ai expliqué ses premiers combats, et c'est vrai que ton histoire, quand Gaëtan me l'avait raconté, je me suis rendu compte de tout ce qu'il m'a raconté quand je t'ai vu sur le ring. L'attitude que tu avais avant, pendant et après. Et après. J'ai l'impression que rien ne pouvait t'atteindre, que ce soit victoire ou défaite. Voilà, tu as tout ce passé qui fait que, tu es focus sur quelque chose, tu as vécu tellement de choses que maintenant,
Et notamment cette double guerre avec Kang Guichief, où là, ouais, j'ai vu le... Comment t'appelles, hein? Le soldat. Soldier. Le soldier. Voilà, c'est exactement ça. Exact, ouais. C'est beau, c'est beau. Merci. Alors, tu as été... donc, tu es réfugié politique. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que tu as les mêmes droits que les Français? Ah, je dirais pas. En France, peut-être le seul truc qui est différent qu'avec les Français, c'est que je n'ai pas le droit au vote. Ça, je ne peux pas, voter. Mais à l'étranger, ça joue énormément, surtout quand je sors des pays Schengen, parce que bah, ça fait un an et demi que je n'ai pas combattu à cause de ma situation. Comme je n'ai pas la nationalité, à chaque fois où je vais y aller dans un pays pour combattre, bah, il me faut le visa. Quand l'organisation veut demander le visa, hop, ils voient, OK, c'est un réfugié politique, on le met à gauche, genre on veut pas s'occuper de son dossier. Et je devais combattre en Russie, Corée du Sud, je ne sais plus où aussi, à Abu Dhabi pour la ceinture de UA Warriors. Mais par contre, tu peux travailler en France. Oui, j'ai le droit de travailler. Tant que tu restes sur le territoire, tout va bien. Exactement, c'est ça. Dès que tu veux voyager. Exactement, ça, oui. Hors Schengen, là, ça devient très compliqué, oui. Et tu aimerais être régularisé? Bien sûr. Ça fait depuis 2013 que je suis en France. Je me sens très, très bien intégré. Bon, j'ai un petit accent. Je me trouve masculin, féminin toujours, mais, je parle bien. J'ai fait mes études, pas toutes mes études. Je suis allé jusqu'à ma première année de fac. T'as eu ton bac, J'ai eu mon bac S et tout. Donc, parce que t'es arrivé en France sans parler le français. Ouais, c'est ça. En 2013, et t'as eu ton bac en quelle année? 2017. Voilà, donc en 4 ans, il arrive, il parle pas français, il a son bac. Bravo. Voilà. J'ai eu mon bac après 2 ans et demi. Et en plus, il est surdoué. Et en plus, tu frimes un peu quand même. Et il parle 6 langues. Tu peux arrêter un petit peu. Alors, on parle de ta régularisation que tu as déjà demandé, c'est bien ça? Oui, j'ai fait ma demande de naturalisation la première fois, ça date de 2018, je pense, et j'ai eu un avis défavorable parce que, comme je ne travaille pas en France, ils m'ont donné un ajournement, pas un refus, un ajournement de 2 ans pour voir si ma situation financière va s'améliorer. Comme vous le savez, j'ai eu mon contrat au Brave et tout, et c'est une vraie organisation Brave. Sauf que si moi, je ne peux pas voyager, je ne peux pas travailler, je ne peux pas payer mes impôts. Donc, c'est un peu le serpent qui se mange. Voilà. Le Brave, on va y revenir dans quelques minutes. Ton histoire, elle me rappelle une autre affaire, l'affaire Trabelsi, donc Slim Trabelsi. Ouais. Donc pour rappel, Slim Trabelsi est devenu champion heavyweight de l'ARES, donc cette superbe organisation française. Il voulait embrasser son rêve de combattant à l'UFC aux USA, mais avec un autre manager. Malheureusement, contractuellement, il est menotté par son contrat avec Fernand Lopez. Donc on a eu envie d'en savoir un peu plus. Parce que là, en fait, c'est passé sous silence depuis plusieurs jours. On a envie de savoir où ça en est, ce qui se joue en coulisses. Donc, on a rencontré son avocat pour nous éclairer sur cette affaire. Slim Trabelsi a conclu en mai 2022 des contrats avec Fernand Lopez. Fernand Lopez sous différentes casquettes. Fernand Lopez comme président de Ares Fighting, promoteur de combat, et Fernand Lopez sous la casquette Management Factory, manager, entraîneur. Il y a une clause dans le contrat ARES signé de la main de Fernand Lopez qui est claire. Si Slim Trabelsi reçoit une offre pour rejoindre l'UFC, à ce moment-là, ARES, toujours sous la signature de Fernand Lopez, doit le libérer immédiatement. Pas besoin d'être juriste pour comprendre qu'il y a un problème, qu'il y a une confusion des rôles. Une même personne avec différentes casquettes dit deux choses différentes dans deux contrats différents. Au-delà de ça, plus juridiquement, le code du sport vous dit qu'un agent sportif ne peut pas cumuler les fonctions à la fois de promoteur-organisateur de combat, contrat ARES, et de manager, contrat Management Factory. À supposer que ces deux contrats soient valables, à ce moment-là, ils sont ce qu'on appelle juridiquement un ensemble contractuel, c'est-à-dire qu'on doit les interpréter ensemble, les uns à la lumière des autres. Alors, nous avions évidemment invité Fernand Lopez pour qu'il nous donne aussi son point de vue, parce qu'on a vraiment très envie d'entendre son point de vue. Personne n'est tout blanc ou tout noir, c'est beaucoup plus neutre qu'il n'y paraît, bien évidemment. Une réaction cependant sur cette intervention de l'avocat, messieurs? Moi, il y a quelque chose, enfin, quand je ne comprends pas, j'aime bien qu'on m'explique, mais
Donc Slim Trabelsi est sans papier, on est d'accord. Comment on peut faire un contrat valable avec un sans papier dans une grosse organisation qu'est l'ARES? C'est quelque chose qui ne me rentre pas dans le crâne. Dès le début, on voit que le contrat ne sera pas valable. Enfin, je ne sais pas. Et en même temps, l'étiquette d'organisateur et d'agent sportif, je crois que les deux choses ne peuvent pas être liées. Ouais. On ne peut pas s'occuper, faut faire ou l'un ou l'autre. Ça, ouais. Donc déjà là, dans ce dossier que je ne maîtrise pas, mais quand on me donne juste les éléments comme ça, je me dis mais déjà à la base, ça pouvait pas marcher. J'imagine que le Slim, il doit facturer lui aussi. Enfin, quand tu es combattant, tu factures. Je sais pas s'il est auto-entrepreneur, je sais pas comment ça marche. Mais il faut un numéro de SIRET. Si moi on me propose un contrat, t'es qui? T'as pas de numéro de SIRET? Mais non, ça, déjà, ce n'est pas bon. Donc c'est ça, moi je veux juste qu'on m'explique. Ça se trouve, il y a des choses que je ne maîtrise pas et il y a des choses que je ne maîtrise pas. Mais là, déjà, dès le départ, pour moi, c'est le flou total. Alors justement, on a posé la question à l'avocat, forcément. Écoutez sa réponse. Comme toute société en France, avant de régler une somme, elle doit s'assurer que son co-contractant est déclaré, qu'il est en situation régulière et que son activité économique est déclarée. Donc, cette société doit avoir reçu une facture avec un numéro de SIRE, un numéro de TVA. Si ce n'est pas le cas, ça peut constituer un délit de travail dissimulé et de recours au travail illégal. Notre rôle d'avocat, c'est toujours d'essayer de trouver dans un premier temps une solution amiable. Si nous n'y arrivons pas, à ce moment-là, effectivement, nous serons contraints d'utiliser la voie judiciaire. L'interview dans son intégralité sur la chaîne YouTube, donc à suivre bien évidemment. L'acte 3, on l'attend. Pour l'instant, ça se joue vraiment en coulisses. L'avocat attend toujours la réponse de Fernand Lopez. Alors, on va revenir à toi, Michael, parce que même si tu es en régularisation, vous êtes quand même dans des situations très différentes. Oui. Toi, tu as quand même un titre de séjour, enfin un statut de réfugié politique, tu un peux travailler. Séjour, ouais. Donc, tu es quand même moins pris par la gorge. Mm. Donc, ça change forcément les choix qu'on peut faire dans la vie. Donc, on va revenir à toi. L'heure est à ton comeback. Tu vas revenir dans la cage parisienne. Alors, on t'avait découvert au 100% Fight. Lorsque tu étais dans cette organisation, tu étais très productif. Tu combattais souvent. Et puis, depuis 3 ans, eh bien, on ne t'a vu combattre qu'une seule fois, donc au Brave. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé? Donc, c'était à cause de ce problème de statut? Alors, il y a un an et demi, ça fait à cause de ça, à cause de ma situation administrative. Et après, il ne faut pas oublier qu'il y a eu le Covid et tout, où un peu le monde était en pause. Et du coup, j'ai profité de ça pour me faire opérer les croisés où j'ai combattu contre Kangishev. Tu te rappelles, tu étais là, on a fait un interview aussi où j'ai combattu avec mes croisés. Donc, j'ai profité de ça pour bien soigner mes croisés. Sans tes croisés, tu veux dire. Hein? T'as combattu sans tes croisés. Ah oui, avec la blessure avec mes croisés, voilà. Ouais, sans mes croisés. Et du coup, j'ai profité de ce moment-là pour bien me faire opérer et revenir en forme. Et après, j'ai eu un combat au Brave, c'était à Bahreïn. C'est peut-être le seul pays où je peux y aller parce que comme la propriétaire de Brave, c'est quand même le prince là-bas, du coup, il me donne le visa. Okay. Et il n'y a pas de problème. Donc, j'ai combattu une fois là-bas, j'ai eu ma défaite au 3e round. Et c'est à cause de ça que je n'ai pas combattu depuis un an et demi. Mais ils ne t'ont pas fait d'autres propositions depuis? À chaque fois, ils me font des propositions, c'est dans le pays où je ne peux pas y aller. Ah, dommage. Je ne peux pas y aller. Donc ça, ils ont un peu d'empathie vis-à-vis de toi? Oui. C'est-à-dire qu'ils comprennent la situation délicate. C'est justement pour ça qu'ils m'ont autorisé de combattre sur le territoire français. D'accord, c'est bien. Ouais. Okay. Donc c'est comme ça que tu as réussi à accepter la proposition qui t'a été faite par Abdel Kaznadji, le promoteur. C'est ça. Tu remplaces, en plus, alors on t'a fait cette proposition au pied levé, en short notice. Tu remplaces Alphand Rocher Labesse, qui était censé être en main card. On te l'a proposé quoi, là, il y a une semaine, deux semaines? Une semaine. Une semaine? Une semaine, oui. Une et semaine. Toi, les short notices, tu t'en fiches, t'es prêt? En vrai, pour moi, je ne le prends pas comme un short notice parce que ça fait un an et demi que je n'ai pas combattu, mais ça fait un an et demi où je n'ai jamais raté un entraînement. Ah ouais, ouais, donc t'es prêt. Je m'entraîne deux fois par jour, 6 fois par semaine. Donc, et pour le poids? Je suis très bien. D'accord. Là, c'était quand c'était hier où il y a Gaëtan, il me dit t'es léger. Donc calme-toi, t'es un peu trop léger. T'es léger. C'est une de ces raisons où il m'a fait descendre 57. À chaque fois en 61, la pesée, normalement c'est 61 500 ou 61 700.
Je monte sur la balance et regarde 60 kg 500. Il fait OK, bon, bah écoute, tu vas combattre dans tous les cas. Mais je connais ton adversaire, je l'ai expliqué plein de fois au HFC en Suisse. J'ai vu qu'il a pris deux fois Mathieu Morciano. Ouais. C'est deux défaites contre Morciano. Ouais, ouais. Tu te rappelles, je l'ai, j'ai combattu contre Mathieu Morciano. C'était ma première défaite MMA, c'était au HFC. Et oui, j'ai regardé son tout dernier combat et les deux combats de Mathieu Morciano. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu le sens? Moi, je me sens très bien. Je sais que je vais avoir la victoire. Et d'ailleurs, Seb, je sais que tu aimes bien parier. Tu te rappelles, un jour, tu as parié sur un de mes combats, tu as gagné un resto. Exactement. Et bah, tu peux parier aussi. Ah bah, allez. Pas que resto. Et si ça ne se passe pas comme ça, c'est moi qui payera tout. Ok, d'accord. Pour moi, c'est validé. Vous êtes très bien combattre tous les deux. Hein. Oui, on se connaît depuis. Que moi, j'ai vu ses débuts. Et c'est une histoire. On s'attache beaucoup à l'humain. Quand Gaëtan m'a parlé de son histoire, forcément, il y a cet attachement. On a discuté ensemble. Après, le combattant, je ne voyais plus le combattant. Je voyais le mec. Ah. Mais c'est vrai, Michael. Et donc, du coup, c'est devenu... On peut le dire, un ami, parce que je m'entends très bien avec les gens de la Old School Academy. À chaque fois qu'il combat, pour moi, c'est génial. Quand j'ai vu qu'il remplaçait, alors là, c'est super. Même son petit frère, Georges, qui combat. Oui. Toute la famille, super, quoi. Donc, ouais. Alors, on parlait d'amis. Un autre ami, c'est Alphand Rocher à la base, justement, tu remplaces. Donc, c'est sympa, en fait. Bon, je peux pas, donc toi, c'est toi qui y vas. Non, en vrai, Alphand, il s'est blessé, malheureusement. Du coup... il y avait une opportunité, donc on a dit vas-y, j'y vais. Et non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas ça à l'old school. Et à l'entraînement, ça se passe comment? C'est que des guerres. Ouais. Des guerres, lui, il est casse-couille toujours à m'embêter et tout. Et le jour où il ne parle pas durant un entraînement et tout, c'est arrivé une fois, il ne parlait pas. Je dis, ça va, Alphand? tu boudes? Il dit, non, je suis juste super concentré. Je dis, je pensais que tu étais malade ou tu as un truc. Non, je suis juste super concentré. Sinon, il est toujours en train de s'embêter l'autre. Je me souviens de ta réaction quand il a battu Kang Ishiev au MMA. Ah oui, tu étais super content. J'ai l'impression que c'est toi qui avais gagné. Ouais, super content, toujours. Alors, avant de conclure, quelles sont tes ambitions, Michael? Parce que malheureusement, l'heure tourne. Et on me dit à l'oreillette que je suis en retard. J'aime bien ce que tu as dit, c'est ambition et pas rêve. Il y a deux choses différentes. Ambition, moi, ambition, c'est mon ambition. C'est quand je ne serai plus sur cette terre-là, physiquement, je ne serai plus là, mon nom sera à jamais. Quand plus tard, ils vont parler du MMA, je veux qu'ils parlent directement d'Aljarouge. Tu veux écrire l'histoire. Ça, c'est exact. Ça, c'est comme là, on parle de boxe anglaise. Vous allez me sortir les Mike Tyson, Mohamed Ali et puis le reste. Et moi, c'est ça mon ambition. Écrire l'histoire, c'est justement ce qu'a fait aussi Jérôme Le Banner et il sera en main event de ce MMAGB et ça pourrait bien être son dernier combat. Alors, c'est son dernier combat en France. Sur le sol français, voilà. Alors, il n'a pas dit qu'il allait combattre encore à l'étranger, mais connaissant un peu Jérôme, à mon avis, il y aura encore un baroud d'honneur, pourquoi pas sur l'année 2023, notamment au Japon, je pense qu'il peut finir là-bas, c'était un demi-dieu là-bas. En tout cas, sur le sol français, c'est le dernier, donc venez nombreux au MMA Grand Prix parce qu'on va avoir la chance de voir le dernier combat de Jérôme. Ça risque de valoir le détour. Et puisqu'on parle des grands noms du MMA, il y en a un autre qui va faire son retour dans la cage du Cage Warrior, c'est Morgan Charrière. Il a eu une période de vie un peu compliquée et justement, il s'est confié au micro de Sport en France. C'est un portrait de Lucien Jahan. Figure de proue du MMA français, Morgan Charrière détonne sur le territoire à tel point qu'il se fait remarquer au niveau international. Le célèbre Cage Warrior lui ouvre ses portes. Même si on lui prête un rôle de second couteau, Morgan déjoue les pronostics. Il enchaîne les performances et s'empare même du titre contre toute attente. Un message fort envoyé au monde. Là ça y est, mon run il commence, j'ai le temps de me préparer, je suis pro, j'ai arrêté les cours, j'ai arrêté de travailler, je fais que du MMA, je m'investis à 100%. Explosif dans la cage, mais aussi dans le digital. Doué pour la communication et le storytelling, il est l'un des rares à avoir su marketer sa carrière, l'un des rares influenceurs MMA à vivre de sa passion. J'ai entre guillemets monté ma propre stratégie en faisant des choses qui m'allaient et qui apportaient de la valeur aux gens. Et puis voilà, je me suis lancé sur YouTube, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des choses que personne n'avait fait avant et ça a très bien fonctionné. Et entre temps, je faisais ça, mais j'étais un vrai athlète, un vrai combattant. Tout ensemble, ça fait une énorme résonance, tout fonctionne en symbiose, ça fonctionne très bien. Morgan coche toutes les cases.
champion d'une organisation majeure, une série de victoires autoritaires, du charisme et une communauté engagée derrière lui. Tout le monde lui présage une future signature à l'UFC. C'est une évidence, il est le prochain. J'ai un très bon niveau, je fais des combats de malade. Il n'y a aucune raison que je signe pas à l'UFC. Puis en plus, ils sont venus en France récemment. Dana, il va revenir. Mais s'il revient en France et que je suis dans les bonnes dispositions, que j'ai des victoires, je vois pas pourquoi il se passerait de moi pour remplir une salle plus grande que Bercy. Une défense de titre face à un grand nom lui permettrait d'intégrer l'élite mondiale de ce sport. Morgan n'a qu'une seule chose à faire, prouver qu'il peut défendre sa ceinture. Et l'occasion se présente à lui. Opposé à l'anglais Jordan Vucenic, le français est déterminé. Mais rien ne va se passer comme prévu. Après un combat très serré, Vucenic s'impose et inflige un terrible revers aux français. Cette défaite a été dure en vrai, elle a été très dure parce que c'est la première fois déjà que je perdais depuis, peut-être 2 ans, 2-3 ans. Donc je perds cette ceinture au mauvais moment, contre la mauvaise personne. Et de la mauvaise façon en plus, c'est même pas incroyable comment je perds cette ceinture. Donc c'est un peu, c'est très dur. Tout s'écroule. La défaite a un goût amer. Elle est cruelle, terrible. Morgan est dos au mur. Pour laver cet affront, il n'y a qu'une seule option. Soigner le mal par le mal en retournant dans la cage. Un retour trop précoce sans doute. Très proche de la victoire, une blessure grave au plancher orbital l'amène une nouvelle fois à goûter la défaite face à Paul Hughes. C'est la descente aux enfers. C'est une période très, très dure mentalement où voilà, je sais pas trop ça va être quoi la suite. Je suis blessé en plus, donc je prends 2 défaites, blessure 6 mois. J'étais vraiment pas bien. Je sais pas si j'ai fait une dépression, mais je pense, ouais. Morgan Charrière est le visage de la résilience. Faire le deuil de son rêve, il ne s'y résigne pas. Pas maintenant. Je peux pas m'arrêter. Jamais de la vie. Jamais je m'arrêterai. Je suis trop têtu. Je suis beaucoup trop déterminé. J'ai beaucoup trop sacrifié pour en arriver là. Si j'arrête maintenant, je suis un lâche, c'est trop facile. Mon record, il raconte mon histoire en fait. Et donc, faut l'assumer. Faut regarder droit dans les yeux les erreurs que j'ai pu faire pour pas les refaire. Le 7 octobre à Rome, Morgan aura une dernière chance de renouer avec la victoire. Il devra faire face à ses démons et la défaite ne sera pas une option. Revenir plus fort ou tomber définitivement dans l'obscurité, Morgan est prêt à livrer le combat d'une vie. Et pour l'histoire, on lui souhaite de tout cœur de renouer avec la victoire, oui. Sébastien. De beaux événements à venir et notamment une belle initiative, MMA dans ta ville. Oui, MMA dans ta ville, ça sera le mercredi 5 octobre, donc dans la ville de Grigny, au club de Grigny Vic Academy. Il y aura Daniel Voirin et Benoît Saint-Denis. Donc tout au long de l'année, en partenariat avec les clubs locaux, MMA dans la ville organise des séances d'initiation gratuites au MMA. Allez-y, allez sur place au club de Grigny, allez demander des informations, ils vous donneront tout. L'objectif étant de transmettre aux jeunes entre 6 et 25 ans les valeurs indispensables à leur insertion sociale et professionnelle que véhicule le MMA. Donc voilà. Et justement, Daniel Voirin et Benoît Saint-Denis qui seront également avec nous sur ce plateau dans 2 semaines. D'autres combattants vont croiser le fer dans les semaines à venir. Regardez le calendrier. Franchement, le MMA français est productif en ce moment. Ouais. 7 octobre, donc le retour de Morgan Charrière, on en a parlé au Cage Warrior. Le 8 octobre, le MMA GP revient au Cirque d'Hiver avec Jérôme Le Banner, Title Shy, Michael Algerouge et bien d'autres. Prenez votre place. 14 octobre, c'est au tour de la Supreme League de faire son comeback. C'est la seule compétition par équipe en France et elle est proposée par Hatch. 15 octobre, Hexagon MMA qui vous proposera un combat féminin en main event pour le titre et c'est Laetitia Blou qui s'y frottera. Et enfin, le 22 octobre, Manon Fiorot versus Kathleen Shokagan. On attend ce moment avec impatience. C'est tout le temps comme ça, Seb, en octobre. En octobre, c'est énorme. Il y a également le 23 octobre, il y a l'Atomic Fighting Championship en Belgique. Octobre, moi, je n'ai pas un week-end de libre du vendredi au dimanche. Il y a des speaks partout. Ah ouais, c'est le 20 octobre, c'est incroyable. C'est comme avril. C'est pareil, mais c'est génial. Ouais. J'adore. Ouais. Michael, merci d'avoir été avec nous. Ça a été un vrai plaisir. Et quelle histoire. Ouais. Quelle histoire. Là, tu es vraiment unique ici, on peut le dire. On n'a jamais entendu une histoire pareille. On te souhaite le meilleur pour ton combat. Beaucoup. Et puis, on se retrouvera très vite donc, pour un nouveau rendez-vous de MMA Extra Round. Seb, n'oublie pas ton talent la semaine prochaine. Promis. À bientôt. Bye bye.
Thank you.